Bonjour chers abonnés, et bonjour sur votre chaîne Yomi Attitude. C'est un moment particulier pour moi. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous prier de m'accorder quelques moments de répit. En fait, en fin d'année dernière, j'ai pris un engagement auprès de vous. Je vous ai promis que les vidéos devaient être plus régulières, que je devais vous fournir plus d'éléments afin de vous permettre de réaliser l'excellence, d'aller à la quête de vos rêves. L'objectif n'a pas changé. Mais pour des raisons personnelles, notamment des décès, nous vivons tous une période particulière avec la COVID et pas mal de personnes ont été touchées de près ou de loin par cette situation. Et même ceux qui n'ont pas connu des décès ont connu des épreuves. Donc en union de soutien, sympathie avec tous, avec tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par cette situation, avec tout le monde. Je joins cette parole de manière humble et pour des raisons particulières, pour les épreuves que nous avons traversées depuis le début de cette situation. Je vais vous prier de m'accorder quelques moments de répit. Je souhaite pouvoir revenir un peu plus forte, plus vigoureuse, plus engagée encore, pour pouvoir vous donner le meilleur. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on se rend compte à quel point la vie, elle est fragile. La vie, elle est non seulement fragile, mais elle est. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, mais en même temps, c'est d'une fragilité hors pair. Donc, sans vouloir entrer dans les détails, nous vivons tous des épreuves particulières. Et sachez que même dans la douleur, dans la peine, dans l'effroi, mes pensées sont avec les vôtres, avec vous tous qui, de près ou de loin, vivez également des périodes assez difficiles. Donc, je fais cette vidéo pour vous encourager à aller à la quête de la réalisation de vos rêves parce que c'est ça qui vous caractérise en fait. Si ces rêves sont les vôtres, c'est parce que vous en valez la peine. Donc, je fais cette vidéo pour vous encourager à sourire, à aller à la quête du meilleur que vous puissiez réaliser. Et je vous promets, et j'espère pouvoir tenir cette promesse, je vous promets de pouvoir vous revenir le plus tôt possible et de continuer à œuvrer autant que je peux pour vous donner le meilleur. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo pour que vous sachiez que l'engagement de la chaîne demeure et que je ne vous abandonne pas, que je n'ai pas changé d'idée, je souhaite toujours le faire. Mais on fait avec ce qu'on peut. Donc, je vous souhaite le meilleur à tous et au bonheur, au grand souhait, au grand espoir de vous retrouver très bientôt et de continuer à œuvrer. Donc, ne cessez pas d'avancer, ne cessez pas d'espérer. Et comme j'ai l'habitude de le dire, keep moving forward. Don't give up, please. Don't give up. Allez de l'avant, allez de l'avant, l'espoir demeure et gardons l'espoir. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à m'écrire les commentaires. Les commentaires sont ciblés de telle manière que je puisse les lire avant même qu'ils ne soient affichés. Et ça me permet ainsi de prendre connaissance de de toutes vos paroles. Et n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à... Le but de cette chaîne, c'est gratuit. Le but de cette chaîne, justement, c'est de vous donner le meilleur. Ça n'a pas été mis sur pied pour une quelconque visibilité ou bien pour quoi que ce soit, si ce n'est de donner le meilleur. Si on peut ne fût-ce qu'inspirer une seule personne, c'est déjà beaucoup parce que la vie en vaut la peine. Donc, je vous souhaite le meilleur et de tout cœur avec vous. Merci, merci de l'attention que vous nous accordez. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci.